en nouvelle vidéo. Donc, on va voir ensemble le point jouré en flèche. Donc, ce qui donne un résultat comme ceci. Donc, pour commencer l'ouvrage, vous allez commencer par faire un rang droit et un rang envers. Donc, moi, je suis partie sur 27 mailles. Donc, pour le premier rang, après le rang droit et après le rang envers, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. On fait une jetée, un surjet, donc on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on met la maille glissée au-dessus de la maille tricotée et trois mailles en droit. Et on fait ça, on répète l'opération durant tout le rang. Au rang suivant, on va faire tout le rang à l'envers. Au troisième rang, on va faire deux mailles en droit. Deux mailles ensemble. Une jetée, une maille en droit, une jetée, un surjet, on glisse la maille, on tricote la suivante et on passe la maille glissée sur la maille tricotée et deux mailles en droit. On répète l'opération durant tout le rang. Donc après, pour le rang 4, on fait tout à l'envers, le rang tout à l'envers. Donc pour le rang numéro 5, on fait une maille en droit. Deux mailles ensemble. Une jetée, trois mailles allant au droit, une jetée, un surjet, donc je glisse une maille, je tricote la maille suivante et je passe la maille glissée sur la maille tricotée. Et une maille à l'endroit. Et on répète tout le rang. Pour le rang numéro 6, tout à l'envers. Et pour le rang numéro 7, on va tricoter deux mailles ensemble. On fait une jetée, 5 mailles en droit, une jetée et deux mailles ensemble. Et on répète l'opération durant tout le rang. Et pour le huitième rang, on fait tout à l'envers. Une fois qu'on a fait ces 8 rangs-là, moi, entre chaque motif, je fais 3 rangs de jersey. Que vous pouvez en faire 2, 3, 4, suivant la longueur que vous voulez laisser entre les motifs. Et vous recommencez à chaque fois l'opération du rang 1 au rang 8.